sur les hauteurs de Samatan, les terres de Jack Delozo. Nous sommes en 2007, l'agriculteur fait le pari de l'agroforesterie. Il participe alors à un programme expérimental Europe-Département de plantation volontaire. 12 ans ont passé. Alors depuis 2007, déjà, les arbres ont grandi. On a pas mal d'auxiliaires de culture qui se sont installés. Donc ça, c'est ce qu'on a constaté en premier. Insectes, bactéries, champignons sont réapparus. Hébergés au pied des alignements d'arbres, ils débarrassent les cultures des indésirables. Dès qu'il y a des pucerons, par exemple, le temps que la coccinelle vienne pondre et que la larve se nourrisse, il faut un certain laps de temps. Mais sachant que les parents sont déjà logés pas très loin de la récolte, le temps est beaucoup plus raccourci. Sous le rang des arbres, le retour en force des lombrics démontre la vie retrouvée du sous-sol. On voit un sol qui fonctionne correctement, qui va être rempli de vers de terre. Plus il y aura de vers de terre, plus il y aura de turricules. Sachant que ces turricules, c'est de la terre ingérée par le ver où il va se nourrir des substances qu'il y a dedans. Et ce qu'il va rejeter va être beaucoup plus riche en potasse, phosphore, phosphate et azote. Sans l'arbre, on n'y arrivera pas. Mais pas seulement, c'est un élément. Je parle de l'arbre, il y a les pollinisateurs, il y a la biologie du sol, il y a... c'est une chaîne. On parle d'un maillon, mais l'arbre est un maillon fort de cet élément pour remettre en état nos sols. Cette pratique ancestrale, enfin réhabilitée, améliore grandement la production des parcelles. Un pari gagnant-gagnant. C'est important parce qu'en fait, c'est ce qui permet d'optimiser la capacité du système à produire, de refaire de la photosynthèse, de refaire de la production et de la protection de l'environnement et des ressources naturelles. Donc en fait, on produit plus, on fait de la diversité, des nouveaux débouchés pour l'agriculteur. L'arbre est un espèce d'outil couteau suisse, hein, environnemental et aussi agronomique. Un choix vital, surtout dans le Gers, qui en raison de ses reliefs et de la surexploitation des sols subit une érosion importante. Les techniques combinées d'agroforesterie et de couverts végétaux nous ont permis de limiter l'érosion et toutes ces techniques ont montré que c'était rentable. Donc on a effectivement dans le Gers des centaines d'agriculteurs qui ont franchi le cap, certains qui sont très avancés, qui ont planté il y a 25 ou 30 ans et aujourd'hui on peut analyser, mesurer, quantifier et mettre des indicateurs de résultats très précis. Oui, c'est rentable, oui, c'est souhaitable, oui, ça répond à ces questions fondamentales de société. Et enfin, oui, l'avenir de l'agriculture passe par l'arbre et les haies. C'est même le premier maillon d'une chaîne qui nécessite d'être enseigné à grande échelle et vite.